Et salut à tous, c'est Murloc Rusé. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fantasy Tales Online. Donc, Fantasy Tales Online, c'est un petit jeu que je viens de découvrir sur Steam. Il est assez récent, je crois. Il doit avoir peut-être une semaine. Donc, je ne connais pas du tout le jeu. C'est juste que j'ai vu ça. Il avait l'air un petit peu sympa. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le découvre ensemble. Donc, hop, voilà, on va créer un personnage. Alors, non, on va garder Murloc Rusé, évidemment. Alors, on peut changer la tête de notre personnage. Oh là, le barbare, c'est peut-être stylé. Ça fait un... Ah, c'est Naruto, d'accord. Non, on va prendre le Canadien, ok, nickel. Alors, il y a trois classes. Le médic, bon, le médic, je suppose que c'est un soigneur. Alors, les médics sont généralement utilisés pour le soin, mais ils ont aussi besoin de se défendre. Leur connaissance de l'anatomie humaine fait de eux une forte, enfin quelqu'un assez mortel, on va dire. Moi, j'ai pas exactement le sens exact, on s'en fout. Le skill de départ, un truc qui fait 170% des dégâts de l'arme et a une chance sur 5 d'ajouter un petit dot de 7 dégâts par seconde. Ok, ça peut être sympa. Ok, donc là, brut. Né pour le combat, la brute est une force inarrêtable. Il porte des armes avec une telle force que le sol pourrait se séparer en deux, pourrait se casser, se briser. La compétence de départ, c'est double frappe. 150% des dégâts de l'arme, en gros, je suppose que ça doit être ça. 100 plus 50%, donc c'est finalement moins intéressant que la compétence de l'autre, mais c'est un peu plus petit cooldown. C'est deux fois plus. Donc on peut se lancer ça deux fois plus souvent. Ok, ça peut être marrant. Et assassin, les maîtres de Cloak, c'est quoi c'est. Et des dagues. Cloak, je sais pas, le déguisement, je sais pas trop quoi. Ils l'attendent dans les ombres. En regardant pour trouver une chance d'appliquer, de faire une méthode de hit and run pour ils sont rarement vus par leurs victimes. Bon, c'est un assassin quoi. Et compétence de base backstab, donc un coup dans le dos, 120% des dégâts de l'arme plus 1% si tu es caché. Ok, alors du coup ça a fait des dégâts moins intéressants, je sais pas, du coup c'est un peu con par rapport, ça a le même cooldown que pour la brute mais ça fait moins de dégâts. Après ça peut être rigolo de jouer un assassin, ou alors une brute, je sais pas trop. Mais dis que ça me tente un peu moins. Brute ou assassin, allez brute, on va partir sur une brute, c'est peut-être marrant. Hop. Donc on peut pas prendre Murloc Rusé. Fuck. Je pense que c'est parce que je peux pas avoir. J'ai pas. Non! Ah, je faisais pas quelque chose. Je pense que j'ai pas droit au E. 3, 12. 4, 6, 8. 6, 11, ça fait 11 ça. Ah, l'espace ça marche pas non plus. Comment je suis con. Ok. C'est quoi ce truc? J'ai jamais. Hop, c'est quoi ça? Charles, je sais pas du tout ce que c'est, mais accepté. Ah, donc visiblement, il y a quand même. Il y a un effort de traduction, mais qui est un peu. C'est en cours, quoi. On a Select Character, donc sélectionner le personnage, mais c'est écrit quand même en français. La description était en anglais, mais on a nouveau personnage. Changer The Shard, c'est un peu bizarre. Bon, allez. Ok, hop, on va prendre. C'est parti. Je pense que ce qu'ils appellent The Shard, c'est le serveur. Alors, on va déjà voir si c'est un jeu raciste. Ouais, c'est un jeu raciste. Non, si c'est un jeu raciste. On va faire changer ça vite fait, parce que WASD, moi, je veux pas. Talk to Hugh for your first quest. Ok, alors, est-ce qu'on a des... À quoi? Comme... On a une language, on a... Oui, d'accord. Ok... Ah, on n'a pas moyen de changer. Ah, ok. Bon, bah, on va. Je vais changer la langue de mon clavier, puis tant pis. C'est un peu chiant, mais.
un peu se déplacer avec les flèches directionnelles aussi, mais c'est chiant, j'aime pas. Et comment ça marche pour lancer? Est-ce que ça marche? Faut cliquer dessus forcément. Non, ça marche comment? Je sais pas trop, on verra. Player Shop, d'accord. Donc il y a un magasin, ça doit être du, peut-être du freemium. Je sais pas trop comment ça marche. Ah. Bon, je changerai la prochaine fois parce que j'ai modifié. Ok. Allez, on va découvrir ça ensemble. Ah, en fait, ça marche si on clique. Je pense que je vais revenir sur le clavier français, puis fuck off. Donc, je regarde vite fait alors on a I pour l'inventaire, L pour les quêtes, M pour la map, logique, P pour le joueur, Tab c'est pour viser, je sais pas. Espace c'est se déplacer jusqu'à interagir, escape, bon bah voilà, Enter c'est pour le chat, c'est logique. F1, F4 c'est, ah d'accord, c'est pour sélectionner les gens avec qui on joue. Shift plus le skill pour utiliser sur soi-même, ok. Bon, ok, bon, après on va découvrir ça. Par contre, il fait sombre, non? J'ai l'impression qu'il fait carrément sombre, on n'a pas. Ça marche. Bon. C'est un peu bizarre, ça perturbe. Bon, on va dégager ça. Hop. We need help. Bon, est-ce qu'on va dire. J'ai un peu la flemme de tout regarder. Pour accepter, il faut qu'on aille parler à Folmar. Talk to Folmar. 6ème map. Ok, ah, il y a une petite flèche qui indique c'est cool. Ça permet de voir où est-ce qu'il faut aller. Je sais pas s'il faut rentrer dans cette maison. Hop. Je veux rien acheter, j'ai pas de thune de toute façon. Donc, oula, oh, c'est bizarre. Oh, ça perturbe. Voilà, l'inventaire, ça fait un peu bizarre. J'ai jamais vu un truc comme ça. Bon, ok. Why not? On va voir ce que ça vaut. Ok. Use the 1 and 2 key to. Ok. Il faut que je bute Beetle et Araignée. Alors, Beetle, je sais plus. C'est exact. Genre ça marche comment pour le skill? Ah ok, donc ça marche en tout map, non. D'accord, ok, si c'est comme ça. C'est un peu que. Je sais pas trop comment ça marche pour les compétences. Peut-être que c'est. Pas trop. Ouais, je sais pas, c'est de comprendre comment ça marche. On pourra tout prendre. Alors, j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. C'est trop bizarre. J'essaye avec la touche 1, tout ça, mais ça va pas du tout. Ah ok, d'accord. Donc on peut se déplacer, si on se déplace avec les flèches, on peut appuyer sur Tab pour changer le focus. Ok. Oh, c'est quoi ça? Tente de lion. Et en gros, si on appuie sur espace, ça va directement. Ok, donc ça va être des ressources à récupérer. Ok. On peut encore récupérer, je sais pas combien. Voilà. On doit certainement pouvoir pêcher, je pense. Ouais, ça s'arrête jamais. C'est quoi les bails? On a. Est-ce qu'on a. Ok, copper, ouais, c'est l'argent, je pense. Ok, donc il y en a plus, visiblement. On va taper le Beetle. Mais franchement, je vous jure, c'est incompréhensible comment ça. Je sais pas du tout comment ça marche pour utiliser les compétences. Si je repasse en anglais, ça se peut. Ah oui, en fait ça marche avec le clavier anglais. Alors ça marche comment le clavier anglais pour les touches?
Buy. Skin for potions. What? Ça doit... Ok, ça doit être une... un pot vide pour créer des potions, je pense. Potion de régénération. Ok. Ah, je comprends pas du tout. C'est chiant, je trouve. Mais bon. Ok, donc ça marche avec les compétences comme ça. Ok. Donc on va aller aggro la spider. Boum, on lance la petite compétence. Bon, les dégâts sont pas incroyables, hein, mais... Bon, ça va s'améliorer avec le temps. Ok, on a une petite spider là. Hop. Ah, ça tape à distance. Où est le côté logique là-dedans? Regardez, tu peux taper à distance sans qu'elle me tape. C'est pas logique, j'ai une arme de corps à corps. Oh, le truc complètement bizarre. Hop, je vais faire vite fait le tour parce qu'apparemment on peut trouver des coffres. Peu de temps là, ici il y a des trucs. Non. Okay. Bon, évidemment il y a rien là-dedans. Ok, soit. Est-ce qu'on peut taper les gens? Est-ce qu'on peut les taper? Oh non, je crois pas. Il doit y avoir du PVP à un moment, mais. Ok, there's nothing together. Il me semblait qu'il y avait un truc qui aurait dû l'afficher de terre. Ok, très bien, bon. On commence à prendre en main le jeu. C'est. Ça va, ça va. Les contrôles sont un peu particuliers, mais en fait, mais ça va, c'est juste une question d'habitude. Hop, on va pas aller à Foma. En fait, ça va, on peut tout contrôler avec le clavier, donc ça permet de. On peut garder sur les flèches directionnelles et tout. Par contre, pour les compétences, en fait, le problème c'est qu'on est obligé d'être au clavier anglais, donc moi je swap. Puis tant pis. Donc, ouais, hop. Comment. Ouais, là j'ai pas le choix. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné un truc? C'est quoi? Ah, je peux lui acheter. On va acheter une dague, non? Ok. C'est plus fort ça, réellement? C'est de la merde. Oui. Quel con. Ah, je pense que c'est. Je reviendrai une fois que j'aurai plus d'argent, je pourrai en acheter deux. Mais en vrai, c'est pas intéressant. Ouais, je sais pas. Du coup, je comprends pas trop l'intérêt. Et lui, qu'est-ce qu'il propose lui? Ok. Je sais pas. Ok, donc maintenant on va à droite. On va aller tuer des petits slimes. Ah, faut qu'on aille dans la cave pour buter les slimes. Ah. Ok, donc. Ok, il n'y a plus rien dedans. Je pense que ça veut dire qu'il doit y en avoir 3 à chaque fois. Ok. Ah cool, on peut casser les caisses. C'est marrant. Du coup, je me demande c'est ce que ça donne si je casse la caisse pour les autres, ce que ça fait. Ok, ça c'est un bateau pour aller dans une... Et lui dira, hein, je suis en train de péter tout ce qu'il y a chez lui, il s'en bat les steaks. Normal, ah, c'est vraiment n'importe quoi. Y'a plus de respect dans ce pays. Oh, Bunkane. Ça se trouve, c'est le truc qu'il faut le faire et tout. Genre, c'est du contenu particulier. Je vois, ça se trouve, ça servira plus tard. Ça, c'est quoi? Oh, faut être niveau 2. Oh putain, c'est trop stylé! Oh, j'ai chopé un truc. Mais pourquoi y'a des caisses dans l'eau, s'il te plaît? Quel est le fuck? Ah, ça repop. N'importe quoi, putain. Ah, excellent. Ah, j'aime bien ce jeu, il a l'air marrant. Hop. On va fermer l'inventaire. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer dans le coin? Oh. Il y a un écureuil. Boum, on a buté un écureuil. Quelle utilité? Ah, là j'ai l'impression qu'il y a un truc ici.
Ok, on doit pas pouvoir le casser. Maison. Oh, j'hésite un peu tout. Ah, dag, c'est du craft. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une table? Alors. Ah, mais. Ah, regardez ça, on peut craft plein de trucs et tout avec ce qu'on a ramassé. Potions of strength. Ah, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Sur la génération, c'est ce qu'on a. Hop. Un flux. Là que ça doit être pour drop, je suis sûr. Ça fait quoi ça? Ok, ça aide. Pour 30 PV, ok. Armure, ok, vas-y. J'en ai, je sais pas, ça sert à quoi là, vas-y. Ah, c'est de la merde en fait, d'accord. Ok. On va aller, on va se faire. Foutu. Charbon. Qu'il faut du charbon. Ah non, ça on n'en a pas. Alors on a quoi? On a dans des lions. Il faut mettre là-dessus. Tac, il nous faut mettre le charbon. Ok, bon, on découvre comment ça marche un peu. C'est cool. Peut-être que lui il nous en vend du charbon. Bon, il nous en vend pas ce bâtard. Bon, au moins on sait comment ça marche maintenant. Il faudra glisser dessus. Moi, je pense que ça bloque automatiquement. Qu'est-ce qu'ils ont? Hop, ah d'accord, on a des quêtes là. Ok, alors. Dans les quêtes, on a quoi? Faut qu'on bute des slimes. On répare des trucs. On bute des rats. Il faut faire ça. Il faut 2x05. Alors, tu sais, ça sent un peu le jeu codé avec les pieds où les mecs c'était un peu galère de faire en une ligne. C'était il fallait faire que par 5. C'est un peu chelou quand même. Allez, what? Oh, j'ai level up machine. Une épée. Ah d'accord, ça c'est le même truc, putain d'accord. Oh, vu que c'est en 2,5D, c'était un peu trop chelou, je comprenais pas. Hop, on a gagné. On a maintenant équipé notre Bone Cane, qui est largement plus pété. Ça marche comment? Donc le point. On peut être niveau 5. On va level up ça. Allez hop, c'est parti. Et on gagne des stats, ça se passe comment? Pas trop. Ok, donc il va falloir qu'on trouve un kit de réparation. Je sais pas trop où ça se situe, ça. Oh, les dégâts! Putain, oh, ça va être cadeau. Cadeau, ça va être cadeau. Ok, donc c'est pas mal parce qu'on peut vraiment tout contrôler avec le clavier. Sauf bon bah pour les quêtes. Hop, on va miner un cube un peu. De toute façon, ah bah voilà! Boum! Nickel! On a récupéré le charbon, on pourra faire des iron ore. Un minerai de fer. Je sais pas à quoi ça sert. Ah mais non, je suis con! Attends, attendez, je suis con en fait. J'avais mal lu tout à l'heure ses pattes et rat. Faut que je bute des chauves-souris et des rats. Oh, je suis un fils de. J'avais pas vu qu'il y avait une différence, qu'il y avait un B et un R. Donc je commence déjà à critiquer le jeu alors que c'est juste que je sais pas lire. Bien joué. Ça c'est un bon youtubeur, hein. Ok, alors j'en suis au niveau de ma quête. Faut que je bute encore une chauve-souris et un rat. Hop, la chauve-souris c'est fait. Ouais, ça c'est quoi, je crois? Ça c'est la même chose. Moi tout à l'heure ça me faisait deux ronds différents. Oh, que dalle. Ok. Ok, donc on a fini la quête. Bon, on ira lui reparler plus tard. Donc on trouve le kit de réparation. Peut-être je ne sais pas où. Oh, il y a un coffre qui a déjà été loot.
Bâtard. Ouais, ça veut dire qu'il va, je pense qu'il va certainement repop. Ok. Hop, ouf, je t'en régalais. C'est pour ça que c'est un peu moins fluide. Moi, je peux pas le loot. Ah, j'y arrive. Voilà. Hop, mining. Oh, mais sans déconner. Ah, c'est cool, je peux le taper en même temps que je mine. The fuck. Ah, je suis déjà niveau 3, donc ça va vite. Ok. Hop, on va buter ce petit slime. On en est où au niveau... Alors, on va regarder où on en est où. D'accord. Find a repair kit. Qu'est-ce que je peux dire, c'est quoi ça? Ah, ça doit ouvrir un... Ah oui, d'accord, ça va ouvrir un... C'est chiant parce que j'avais fermé mon home. Ça fait un peu... Hop, on va avoir un petit drop là. Ok, ça devrait revenir. Là, j'aurais dû m'en douter. Ouais, il revient le coffre ou ça se passe comment? Je suis un peu déçu là pour le coffre. Ok, ah, alors faut que je regarde parce que j'ai aussi dû récupérer un nouveau niveau. Alors c'est qu'est-ce que c'est? Extreme Training. Ah, un passif. Au niveau 3 on débloque un passif. Ça permet de porter une deuxième pièce d'armure pour 60% de la valeur d'armure. Ça réduit. Ok. Bon, on va prendre ça. De toute façon j'ai pas d'armure en fait, mais bon. Où est donc ce kit de réparation? Sur map, est-ce qu'on... Hop, on va petit petit, ça va. Bah, ça marche pas, la map. Ah oui, d'accord, MDR, c'est pas la même touche, en fait, par rapport à la vie anglaise. Ça, c'est moi. Enfin, elle est... C'est grand. Et la map, elle est... Waouh! Dis donc, c'est déjà pas mal, hein. De toute façon, j'avais vu dans la description que pour l'instant ils ont fait à peu près une cinquantaine d'heures de jeu. Fait que c'est pas des masses, hein, la map quand même. Mais pour c'est déjà pas mal. Dans ma tête, c'était vraiment un nouveau jeu un peu pourri. Enfin, pourri, ouais, un peu vraiment beau quoi. Mais non, du coup, ça va, franchement, c'est sympa. Moi j'aime bien, je trouve ça assez marrant, c'est un peu original. Hop, je savais pas qu'on pouvait modifier les. Et la taille de l'écran et tout ça avant de lancer le jeu, puisque je vraiment hein, c'est la première fois que j'y joue. Vous êtes mes cobayes. Donc ce que je propose, c'est, alors je regarde où j'en suis au niveau de pour buter les ben, comment ça. Oh le con, c'est les, il faut que ce soit des green slime. Oh les bâtards. Et du coup ça marche pas. Mais je suis en train de... Ouais. Calmons-nous. Mais je lui mets zéro dégâts ou c'est quoi? Ouais, je vais me barrer. Ah mais... Où est-ce qu'ils sont les... Oh ouais, dac. Ouais bon, on ira ici plus tard. Bon, c'est pas là qu'on va aller. Ok, très bien. Hop, du coup, il va falloir que j'aille chercher les green slimes. Ah, le fils de... Moi, dans ma tête, j'étais en mode, bon, on va bientôt terminer, je me bute les derniers slimes dont j'ai besoin, puis on s'arrête dessus là-dessus. Et en fait, pas du tout. Je suis encore très loin d'avoir commencé. Ah, attends, c'est quoi ça? Est-ce que c'est... C'est quoi? C'est... What?
on va tout casser. Dans ce jeu, on peut vraiment casser des têtes de mort pour récupérer de l'argent. Ah, Lesser Gainsling, d'accord. Okay. Waouh! Ah ouais, non, c'est de la merde en fait. Ah, c'est pas mal. C'est quand même. Oui. Ça se passe mieux. Ok, très bien. Donc, on n'a rien. Alors, qu'est-ce que c'est? Niveau 1, 1, 2 dégâts. De... Ouais, non, c'est pourri en fait. J'ai pas parce que j'ai. Hop. Ah, j'avais oublié, j'ai pas vu. Il y a une tête de mort. Disons qu'il faut vraiment être à la... être à l'affût. Hein. Ok, donc en fait, fallait passer par le portail pour retrouver le... où il faut aller. Je vois comment marchent les dégâts de la compétence, mais c'est un peu pourri, j'ai l'impression. Attendez, un truc. Il y a un truc qui gère du pâté. Moi, je peux pas take all. C'est une dalle. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Moi, je level up. Il y a un petit bruit quand on level up. Je sais pas si vous entendez parce que j'ai pas mal baissé le son. Parce que c'était carrément trop fort au départ. C'était vraiment, vraiment fort de ouf. Ah mais pourquoi ça marche plus des calls comme ça? Hop, on va casser tout de mort. Hop. Alors où est-ce qu'on en est? J'ai pas... Ah, en fait je pense que le putride ça doit être genre le boss de la zone. Shrine of God. Pas ce que c'est, ça va être un truc qui augmente mes chances de trouver de l'or. Je sais pas, c'est moche. On découvre. J'ai trigger un truc. Vraiment, c'est un petit piège. Mais visiblement, ça peut taper les mobs, j'ai l'impression. Ou alors, c'est que je suis con. Hop. Bon bah on va retourner là. Oh c'est quoi ça? Ah j'ai été sûr. Je suis sûr on va affronter le boss là. Ah, on voit que dalle. Ah y a un truc ici. Il y a un putride tout au bout. Ok, donc il faut trouver le bon trou. Oh, ça sent le vieux labyrinthe de... Enfin, le... À chaque fois que je vais me retrouver là... Ah, j'en étais sûr. Non, ça va pas être à droite encore, ce sera un peu trop chiant. Ok. C'est droite, droite. Allez, là je parie que c'est pas droite. Et je suis un génie. C'est dur de savoir ce que je me suis dit, ça se trouve en fait, c'est, vu que c'est, la, c'est le premier, ils te mettent dans le bain et tout, c'est tout pareil. Non, ça sera beaucoup plus facile. Ah, une armure. Qu'est-ce que c'est? Hop! C'est la même chose que ce que j'ai déjà en fait. Ouais, c'est ça. Hop! Allez, on va dire milieu. Ok, donc droite, droite, milieu. Gauche. Peut-être. Non. Peut-être droite, droite, milieu, milieu. Alors droite, droite, milieu, droite.
Ok, donc c'est droite, droite, milieu, droite. Et je pense ce que Crésus, ils avaient un truc avec le côté droit. Peut-être là, ça va être gauche. Voilà, nickel. Supportable. Ok. Alors. On est à... Oh, tiens, un succès. Cool. On débloque les succès Steam. Donc on est à droite, droite, mi, droite, gauche. Ok. Enfin, le pire c'est que du coup, vu qu'ils te mettent des combats au milieu, ça te perd un peu. Un arc 1 à 6. Oh, ça peut être marrant. On va essayer ce que ça vaut. Et du coup, ça me permet d'attaquer à distance. Ah oui, c'est marrant ça. Allez, droite, droite, milieu, droite, gauche. Gauche. Oui. Non, en fait j'ai l'impression que ça m'a ramené à un endroit où j'étais déjà tout à l'heure. Non, d'accord. Alors, droite. Droite. Milieu. Ah, ici c'était. Droite. Gauche. Putain, mais je me perds, je reviens. Ouais, si, je suis revenu au même endroit, ok. On a remarqué, il y a l'échelle là en bas à droite. Ça, c'est droite. Là, c'est milieu. Là, c'est droite. Gauche. Non, ça doit pas être gauche. C'est milieu. Ça. Ce truc. Il va falloir débloquer les trucs. Putain. Ah, c'est une horreur ce jeu. C'est un jeu, faut pas réfléchir. J'ai l'impression que je fais plus de dégâts quand je suis loin. Je crois que c'est pas un truc où genre il faut trouver la bonne combinaison. Ok. Putride. Et bah les voilà les putains de putrides. Jamais plus loin, on va voir si ça va. Pas vrai sur moi. Putain! Oh les gars, c'était dur. Hein. Bon, la troisième quête, là, je la ferai une autre fois. Hein. Et hop, on a level up, on va augmenter le double strike. Oh là là. Oh, mais ce jeu. Ah, mais je suis quoi en fait, je joue une brute. Moi dans ma tête j'étais assassin, c'est pour ça que je comprenais pas trop les compétences et tout. J'essayais d'être caché et tout, mais je suis trop un con. J'avais oublié que j'étais une brute, pas un assassin. Ok, ouh. Bon, on s'en est sorti. Oui, je vais me barrer là, j'en ai marre. Ça me saoule. Il y a un coffre, on va le récupérer. Hop. Bah voilà. Le kit de réparation. Bon, bah du coup, on l'a trouvé, on va réparer ça. Ce sera fait. Ok, donc ça prend du temps. Oui, d'accord. Ça répare comme ça, ça répare petit à petit. Ok. Ok, c'est réparé. C'est quoi que je récupère? C'est encore une bonne cane. Ok, alors c'était où le truc à réparer? Ok!
exactement, parce que je répare et en même temps je tape les mobs. C'est le truc le moins logique du monde. Bon. Je crois que si je descends, il y a un coffre que tout à l'heure j'ai pas pu récupérer. Donc, je vais aller voir vite fait. Hop. Et donc il a été récupéré. Je sais pas. J'ai one shot le mob. Je vais pouvoir revendre ça. Hop, une... Ouais. Il y en a et l'autre est là-bas. Ok, nickel. Bon, bah, du coup, finalement, on va quand même s'en sortir. On va quand même faire tout. On va finir toutes les quêtes. Je suis level 5. Ah, parce que j'ai buté le mob. Ok. Level 5, on va débloquer de ça. Oula, waouh, c'est pété ça. 60 secondes de récupération. Par contre, ça, c'est très long. Ça étourdit l'ennemi pendant pour 10 secondes. Sur la console. 3. On va aller réparer là. Ah, là-bas. Ah, on voit quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui a pris la tête de Naruto. C'est un banal. C'est d'un banal. Ok. Bon, bah, putain, c'était long hein, pour trouver la sortie dans ce donjon. En fait, le pire, c'est que ça te ramène pas au début, ça te ramène à des endroits et les maps se ressemblent toutes. C'était. Après, on a vu largement pire, mais c'est quand même un peu. Hop. La bonne vieille technique, casse tout. On part au foreman qui va nous donner. Ah, ça c'est bien ça. Ah, attends, qu'est-ce que c'est ça? L'arme de quête. C'est des objets à grande valeur qui peuvent être utilisés plus tard pour des évolutions comme les maisons de joueurs. Ah non, comme d'accord, c'est encore. Player House Shrine Upgrade. Ok, upgrade, donc des trucs bien. On peut échanger ça avec les autres joueurs, tout ça. Bon, ça a l'air d'être un objet qui est bien. On récupère, on accepte la quête, on fera ça plus tard. Hop, on accepte. Rien. Donc hop, on va équiper nos stuff. Cotton Link. Ça peut être mieux que ce que j'ai déjà. Et ouais, c'est mieux. Cotton Vest, hop, c'est mieux, c'est pareil. Il y en a combien d'emplacements? On en a encore. Ok. Des trucs qui repop. C'est trop bizarre. Hein. Ok. Donc, et là, ma troisième quête. Il faut que je fasse quoi? Après. J'aime perfect. Je pense qu'il faut que j'aille. Que je retourne ailleurs pour prendre cette quête. Ça. Le M il est. Ah, c'est ça, c'est la virgule en fait, la virgule américaine. Alors, où est-ce que je suis moi? Ici. Mais il y a des quêtes de partout. Mais da fuck! Ok. Bon, et nous on est quelqu'un comme ça, on va se faire toutes les quêtes. Mais pas tout de suite, parce que là, bah, on va finir la vidéo. On va finir la vidéo, puis ça. D'accord, on va passer sur les côtés. Bon, je pense qu'il y a matériel à faire sur ce jeu. Ça a l'air marrant. Pété. Hop. Alors, on va vendre. On va vendre. Ça. Hop. Sell. Alors, bye. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Des accessoires, une tête. What? Oh. C'est... On peut acheter une manche. Ah! Pas mal de faire un tri rapide. Hop. Est-ce qu'on peut en acheter? Non? C'est trop cher. Hein. Bon, c'est pas grave, on va garder ça comme ça. Du coup, on va vendre l'arc. Et il vaut pas cher l'arc. Hop, ok, nickel. Donc, on va ouvrir.
Oh, d'accord. Donc ça, c'est un truc. Je tire vendre en fait. Ok, donc il nous faut une clé de coffre qu'on peut acheter dans le magasin là. Si, c'est pour du vrai argent. Ou qu'on peut trouver sur des monstres. Ok, très bien. Donc bah voilà, c'était la première vidéo pour étudier un peu le gameplay de Fantasy Tales Online. Ça permettait de voir un peu comment le jeu fonctionne, d'avoir les bases et tout. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, sur la chaîne, enfin sur la page Facebook, tout ça. Faites-vous plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien, pour voir les autres vidéos, tout ça. À mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça permet d'avoir un peu de soutien et à commenter si vous avez des remarques, que ce soit pour dire c'était bien ou alors c'était bien mais quelque chose aurait pu être mieux. Enfin, me dire tout ce qui peut m'être utile et ou être intéressant à savoir. Et du coup, bah voilà, on va s'arrêter là-dessus. Salut à tous, ciao!